Salut, nous sommes devant le stade du Pays de Charleroi. Ce soir, le Sporting reçoit la Gantoise. Les supporters sont en train de s'échauffer. Et nous, on va se glisser dans la peau d'un zèbre. C'est par là. Charleroi est réputé pour son ambiance, c'est tout un cop, c'est toute une ville qui est derrière son équipe, on va aller voir ça de plus près. Zèbre jusque dans la peau? Oui, bien sûr, oui. Même dans les défaites et tout, bon ben on est là quoi. Les copains zébrés, c'est quoi ça? C'est un club familial, c'est un club que nous avons créé il y a maintenant 5 ans. C'est important de transmettre la fibre aux enfants? Oui, bien sûr. Et il faut renouveler le public dans le stade. Nous autres, on ne sera pas éternels, c'est les enfants qui suivent. Hein. La tribune, c'est tout ce qui compte. C'est important aussi d'avoir un stade dans la ville. Oui, oui, ça c'est... Je vois mal le stade extérieur à la ville. Ça ne serait plus Charleroi. Il y a autre chose à Charleroi quand même. Il y a de tout. Il y a Robert Lafritte par exemple, qui est connu mondialement. Hein. Il y a ça. Le marsupilami, il est là. Il y a d'autres choses. Il y a les anciennes usines, le Carcite, qui a fait travailler beaucoup de gens qui sont venus travailler là. Et il n'y a pas que le football à Charleroi. Il y a les gens qui sont bien, les gens sont chaleureux. Mais le cœur de Charleroi, il bat au football aussi. Ouais. Ah ouais, bien sûr, ouais. Toujours. On vit avec le noir et le blanc. On vit zébré. C'est de la vraie peau de zèbre? Non, je ne serai pas. Nous sommes le premier club reconnu 100% féminin de la Belgique. Nous avons Zou, la mascotte, qui fait le tour du monde et qui a un compte Instagram. C'est sa nouvelle copine, elle s'appelle Zed. Et qu'est-ce que vous faites ici? On est monté sur le terrain. Grâce à Charleroi. Vous supportez Charleroi? Oui. Pourquoi? Parce que c'est notre club de cœur. Qu'on soit gagnant ou perdant, c'est notre groupe de cœur et on suivra Sporting jusqu'au bout. On est là avec les enfants du foyer qui avaient pour but de réaliser un rêve, qui n'ont pas pu accéder. Et donc voilà, avec la SBL et en partenariat avec le Sporting, on nous a gracieusement offert des places. Alors les enfants, comment ils vivent ça? C'est un rêve. Ils sont tout bonheur. Je crois que Charleroi est devenue leur nouvelle ville de cœur. Les gens d'ici sont atypiques. Ils donnent beaucoup de ferveur pour le club, ils donneraient tout, je pense, pour soutenir les joueurs, pour soutenir le club. Donc voilà, on se doit de leur donner ce qu'ils nous donnent en retour. Charleroi de Flandre, on y croit? Oui, vraiment. On est aussi sponsor de Malines et on peut bien comparer l'esprit Malines qui est aussi très bien. Et maintenant, Charleroi, et on doit dire qu'on est bien accueillis ici comme Flamand. Ça fait plaisir de venir ici tous les deux semaines. En fait. J'aimerais vraiment que Charleroi puisse reprendre la place qu'elle avait dans les années 70, c'est-à-dire l'endroit où il faut être. Et justement, une équipe de football, c'est une carte de visite aussi pour les entreprises? Oui, très certainement. Le football reste un sport rassembleur et il permet effectivement aux entreprises de la région de pouvoir créer des contacts autour de ça relativement importants. Ça vit ici avec la rive gauche et avec l'aéroport et le Sporting, on sent vraiment que ça vit ici. Un match de foot sans burger, c'est comme un dimanche sans soleil. Mais il y a mieux encore et plus diététique, eh bien c'est le repas 100% bio à l'école hôtelière d'Écossine. C'est juste là-bas. Bonjour, bienvenue sur le site le restaurant Le Petit Granit. Aujourd'hui, nous cuisinons 100% bio et local, comme ce beurre-ci.
Et oui, au Petit Granit, le bio, on y croit dur comme pierre. Au-delà d'avoir une assiette haute en saveur, on voulait aussi que cette assiette soit haute en valeur. Et donc, je pense qu'il est de notre devoir, étant donné que nous avons la gestion d'une école hôtelière, de faire connaître à la fois à nos élèves, mais aussi à nos fidèles clients, eh bien, tous ces hommes et ces femmes qui travaillent chaque jour avec beaucoup d'amour pour apporter des produits de qualité, respectueux de l'environnement. Et maintenant, on passe à table. L'entrée, c'est des asperges vertes avec une sauce maltaise. C'est une émulsion d'orange sanguine. Des asperges bio, bien sûr, mais aussi Medinello. Alors ici, nous avons des asperges vertes qui viennent de Monsieur Longlune Stéphane à Herbizeuil. Car ici, tous les produits sont locaux, comme le pain. On a utilisé évidemment, pour cette fois-ci, une farine biologique qui est cultivée dans la région, à Soigny, par une dame qui a son moulin, et c'est Joël Donc. Comme la viande. Donc c'est une pièce de bœuf, accompagnée de sa sauce vigneron, donc une réduction fitou. Alors, comment vous trouvez votre viande? D'apparence, impeccable, cuisson, ça a l'air nickel aussi, et bon, maintenant on va la goûter. Mais bon, je vais dire, elle est de mon élevage, donc on est en production biologique blonde d'Aquitaine, donc en principe ça devrait être très bon, mais je vais goûter. Allez, vous prendrez bien un petit dessert, bio et local. C'est un vacherin aux fraises de chez nous qui vient de chez Amaury à Auve. Comme quoi, pour bien manger, il ne faut pas nécessairement regarder dans l'assiette du voisin. C'est important. Super important. Les chants des supporters, c'est vraiment très important, ils viennent de marquer un but. Mais il y a un autre endroit où on va chanter, on va s'amuser, c'est l'envol des cités, c'est ce week-end, ça commence à Framery. Prendre son envol musical, c'est d'abord passer par la scène. Ça nous a permis vraiment de gravir une marche en plus, une étape en plus, c'était une étape en plus, très importante pour nous. Prendre son envol musical, c'est aussi tenter de se distinguer pour un éventuel futur lauréat. Ça nous tient vraiment à cœur de se différencier, de se démarquer de ce qui se fait aujourd'hui dans le monde musical en Belgique et de manière générale. Moi je dirais qu'il y a un mélange justement un peu classique lié au violoncelle. Mais on aime beaucoup la musique un peu plus urbaine. C'est ça qu'on utilise notamment le beatbox, un peu le rap. Et c'est ce mélange-là, je pense, qui représente un peu, qui pourrait peut-être créer l'identité de notre groupe. Prendre son envol, décoller pour, un an plus tard, planer, rêver juste un peu de l'autre côté de la Manche. On est très excités d'aller jouer là-bas. On a un peu regardé les clubs dans lesquels on allait jouer. On a vu qu'il y en avait certains où Oasis avait été quand ils étaient plus jeunes. Prendre son envol, c'est ainsi passer par la scène, mais pas seulement. Ce qu'on aime beaucoup avec l'envol des cités, c'est justement cet accompagnement que n'offrent pas les autres concours. Or ici, l'envol des cités, la démarche formation nous plaît vraiment et c'est pour ça qu'on s'est lancé dans cette aventure-là. L'envol des cités, c'est donc un peu tout cela, loin du star system et de la musique stéréotypée. Oui, on n'est pas une fabrique de stars, on promet rien si ce n'est de donner vraiment du cœur dans ce projet. Mais voilà, on parle de musiciens. Déjà chez nous, il n'y a pas de cover, donc c'est que des productions originales, c'est que des compos originales, c'est vraiment le travail de l'artiste et des groupes. C'est porté par un service public et je pense que ça ne pourrait pas être autrement. Il n'y a aucun intérêt mercantile dans ce qu'on fait, juste c'est notre métier. 6 groupes sélectionnés pour une tournée, 3 dates à retenir pour les découvrir, des invités renommés pour les entourer. Voilà, le match est terminé, bravo aux Zèbres, bravo aux supporters, c'est dans la poche aussi, est terminé. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant sur les réseaux sociaux.